Moi je galère là. Je suis en grosse galère. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode. Ça doit être le troisième sur ma partie machin. Anno 1404 plutôt. Et on est encore en guerre, en bataille avec les pirates. Ah, souffle pas dans le micro, s'il te plaît, erreur. A été colonisé par un autre joueur. Une île a été colonisée par un autre joueur. Yep. C'est toi? Non, c'est. Bah regarde le symbole. Ouais, c'est encore elle. Mais elle a rien de bien, elle s'est du café l'île. Attends, me dis pas qu'elle a besoin de café non plus. Il faut que je fasse des exploitations de quoi? Attends, il y a un gars dans mon bateau, je sais pas quoi faire. Avec ses vétérans à bord, les caractéristiques du navire. Il est dans les caisses, dans les options à droite ou dans les cases normales. À droite, à droite. À droite, il booste ton bateau alors. Meilleur. Bon, moi je vais lui faire reprendre ça avec le bateau. Je l'ai gagné comme ça par Alzheimer grâce à la mission. Ah, faut que je monte leur quantité. Oulala là là. Ah mon dieu. Pourquoi je peux en avoir 1000 et j'en ai 300 parce que je les ai pas rendus contents. Ah. Je peux en avoir 1000. C'est la dèche parce que vu que je mets mes citoyens prêts à évoluer. Ouais. Maintenant il leur manque à boire. Je dois vous féliciter. La vie dans cette ville est. Et les vêtements ça remonte ou pas? De quoi? Les vêtements ça monte? Bah j'ai un manque de vêtements. Il me dit que je suis pas un manque dans les vêtements. Ah. Ils n'ont plus assez à boire. Votre colonie s'est étendue. Ah voilà. Là ils sont vraiment en train de se plaindre de tout, mes villageois. Alors Eps, on va lui dire. Non, c'est pas le bon. Alors Goldford. Or insuffisant. Ça coûte 25. Chez Bridge. Ici on charge les épices et à Goldford on les décharge. Qu'est-ce vous pas gérez une colonie extrêmement progressiste. Prends les épices. Ah il m'apprécie, parfait. Moins 3. Ah c'est parce que mon bateau est abîmé. Je gagne tellement de population que je suis en moins. Je tombe et je remonte rapidement en quantité. Or insuffisant, pas possible. Il faut 66 heures pour faire ce truc. Ok, solution numéro 2. Alors mes citoyens vont bientôt plus avoir des pistes, donc on se dépêche. Citoyens prêts à évoluer. Citoyens satisfaits. C'est bon. J'ai besoin d'argent pour qu'ils soient prêts à évoluer parce qu'ils sont en manque de nourriture. Vêtements, c'est pas donc, bon. Ils ont besoin de vêtements. Maintenant ils ont besoin de boire. Ils veulent boire. C'est on va faire un deuxième truc à vêtements, moi. De quoi? Moi je fais un deuxième truc à vêtements. Moi déjà j'en ai déjà fait un et j'ai fait pas mal de champs en plus aussi avec. Ouais il faut faire beaucoup de champs. Ok là c'est bon. Allons vendre. Mais pourquoi ça. Ils sont prêts à évoluer et ils évoluent pas? Ah parce qu'ils étaient encore en manque parce de bière. Allez montez la bière. La volonté de Dieu s'applique. Ce navire n'a jamais. Oh elle coule des bateaux. Ennemis. Ouais. Voilà, répare-toi mon gars, et après ce sera bon. Ok, c'est bon, je suis au max de bois là-dedans, c'est pas... Ou alors Mais j'ai pas relié mon lait, quel boulet. Ah non, il a pas de place. Or, insuffisant. 115 d'or. J'ai pas de quoi payer 115 d'or. Je monte et je redescends parce qu'instantanément j'ai plus 30. Ah, elle aura coulé son bateau, bien. Hydrolien, si j'ai plus 30, c'est extrêmement mauvais. C'est plutôt mauvais. Tu dois avoir trop de bâtiments de production. Moi j'ai en fait, plus beaucoup. Tous mes citoyens sont en minimum. Pour évoluer. Ils sont en quoi? Au mini, ils sont en satisfaction. Alors ça c'est le satisfaction minimum. Ouais. C'est-à-dire avec impôt plus élevé pour toi? Ou pas? Personne dans cette ville n'a plus d'influence que vous. En gros, tu gagnes beaucoup de taxes ou pas? Non. Non.
Faudrait que tu fasses ça. Oui, mais j'ai pas trop de choix, il faut bien qu'ils évoluent. Ben non. La production. Tu les mets en pause d'évolution. Je sais pas combien t'en as des habitants, mais t'as pas besoin d'en avoir tant que ça. Est-ce que t'as débloqué des trucs pour faire... Est-ce que tu as une fabrique de pain? Ah non, 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 non. Déjà, j'ai besoin de cidre. Ouais, bon alors, arrête de faire évoluer tes citoyens. Et attends d'avoir toutes les ressources qu'il te faut maintenant avant de faire évoluer tes citoyens suivants. Mais comment je fais pour mon cidre, du coup? J'achète régulièrement des marchés. Bah, tu fais une fabrique de cidre. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. C'est les champs pour le cidre. De quoi? Jacques, ce serait heureux de vous aider. C'est des champs de pommes, là, enfin de... Ouais, ouais, c'est bien ça. J'accepte cette transaction. Bah, j'en ai fait un. Ah, vous bah, faut juste que t'attendes que ça se fasse. Ça va se faire, hein. Je suis entièrement... 51%, oui, normalement, il y a une charrette qui allait chercher. Ah, on se laisse flatter par mes compliments. Qu'est-ce que tu fais? Que les affaires commencent. Ça remplit peu à peu, c'est doux. Et là, il gagne beaucoup plus. Ok, bah là, ça devrait aller. Bon, toi, tu... La transaction me convient. Ça sert à rien de me flatter. Puisse Allah vous bénir pour votre bon... Il est toujours judicieux. Et quand je dois flatter les gens, maintenant, il y a 50% de chances que ça rate. Ah. On va déposer... ça là parce que ça m'occupait une place et que pour l'instant j'ai pas envisagé d'attaquer erreur, mais plus tard je m'en servirai peut-être. Je t'entends, tu sais. Ah oui, faut que je coupe mon Discord. Y a une tempête. C'est où? C'est sur une île à toi ou pas? Sur une île. Oh mon dieu, c'est pour elle. Ah, je crois que la production de ces bâtiments est réduite pendant le temps de la tempête. Ça va. Tu dis? Ça va. Ça va, ouais. Ouais, mais SMS, c'est ton île qui produit toutes les ressources qu'il faut pour ton île principale, par exemple. Ça va pas. Moi, j'ai des trucs qui amènent des outils et tout, mais... très doux. Un bateau. Voilà, ce sera donc mieux je comme un ça. Un autre champ de commerce. Entre ce... je suis bleu. Ça me plaît. C'est là. Vous essayez de m'assurer. Permettez-moi de manifester. Salam alaikum. Là, on ajoute. Le sultan vous autorisera à construire ces bâtiments. La 2, on lui enlève. Tissu. C'est bien ça. Ajouter un avion, j'ai les deux près de chez moi qui fouillent. C'est ça qu'il faut que je fasse. J'ai pas d'argile en fait. Ou alors si, mais sur l'île tout là-bas. Non, même pas. Attends. Ok, il faudrait de l'argile quelque part. Peut-être là c'est le mieux. Mais là j'ai pas besoin de quand même de pompiers. Non, ça c'est le truc à charbon, y'a pas de feu. Oui, mais on m'a dit on peut. T'as dit au feu? Clique sur le bouton feu et va voir où c'est. Non, 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 mais il m'a dit que ça allait être le feu. Qu'il va vraiment falloir que je crée une caserne de pompiers. Ah oui, t'as dit attention, désormais vous êtes vulnérable aux incendies, je vois. J'ai des marchandises. Ouais, ouais. C'est la dèche du poisson maintenant. Oh, parfait. Ah, je peux pas. Ce navire jettera bientôt l'ancre dans votre si port. Inch'Allah. Ça me saoule, c'est la dèche du poisson la après la dèche du sultan. Ouais, il m'a payé beaucoup. Et voilà, que ils ont tout faim. Les affaires comment? Bien. Une transaction équitable. C'est la dèche de poisson. En vrai, j'ai peut-être intérêt à tout mettre là. Plutôt. Une transaction équitable. Je serais heureux de vous aider. Vu que mon île est déjà gigantesque. Il demande du coup une caserne de pompiers, un truc de charpentier. Ouais, bah calme-toi. Hein. Ah ouais, le truc de charpentier, c'est moins nécessaire. Ma nomination au poste de grand vizir est un immense honneur.
Ah, moi, faudrait le sultan est beau être jeune. Pas, d'ailleurs. Il accorde de la valeur aux paroles des anciens. Moi j'ai masse de bateaux. Ah si, il me faudrait des petits bateaux moi, pour faire du commerce. En fait maintenant j'ai plein d'outils. Alors, et pour ça il faudrait que j'aille m'installer là-bas. Ou alors que j'en paye mais c'est cher. Hop, je te dis tu prends plus d'outils. Ah, et c'est un peu relou quand même. Maintenant il me demande non, je vais pas te faire, c'est forcément là que je vais m'installer alors. Comment ça? Attention, mémoire hop, disponible insuffisante. Au pire on relance hein. Pas la mort. Ah non, il m'a vraiment dit au feu en fait. Il y a vraiment une de mes maisons qui est en feu. Vous avez utilisé les graines. Méfie-toi. C'est où la caserne de pompiers? C'est le truc avec un seau d'eau. Ah ouais, je vois. J'espère que ça coûte pas trop cher, ça coûte combien? Au pire, tu casses des bâtiments pour récupérer de l'or. Partie sauvegardée. Je crois que ça coûte 1200. Je sais pas. Hein. Ça coûte, bah tu vas voir bientôt. Je peux la faire, c'est cool. Ça coûte 1000. C'est bon, en plus ça, ça fait tous mes côtés. D'ailleurs. Félicitations, la pompe incendie sera bientôt sur place. Il y a des gars au moins qui vont s'occuper de la pompe. De ce côté-là. Ils s'occupent tout seuls du feu après. Hein. Ouais. Alors, la suite quartz, Serge, c'est bien ce qui me semblait. Hop. Je me demande si ce petit bonhomme il peut aller chercher directement dans la réserve là-bas. Ah, il ressort chargé. Ouais, c'est ça. Il n'a pas besoin du bâtiment de marché, il se débrouille. Mais du coup, mon bâtiment est abîmé, mais j'ai toujours pas assez de. Et là, il va chercher de l'argile. Ah, ouais, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc il vaut mieux avoir tout à côté l'un de l'autre. En fait, je suis vraiment en dash de tout. Là, ils sont tout juste contents. Comment ça, conseil des dix vous remercie. J'ai pas fait de taverne. Si, taverne. Il est pas dans le champ de région. Ah oui, c'est un des seuls qui est pas dans le champ de rayon. Non mais ils font pas gagner assez s'ils sont... D'argile. Ainsi t'as cessé de produire des marchandises. Soit je gagne de l'argent, soit ils augmentent. Bah gagne de l'argent, au début, un peu. Une juste transaction. Sans ma flotte, je ne pourrais jamais entretenir. Installé sur cette île. Ah, je suis vraiment sympa, moi je trouve perso. J'aurais pu te couler un navire depuis longtemps. Mais je sais, mais t'es pas si méchant que ça. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas d'indigo par contre, tu m'en vrai. Ouais. Ah, ouais, du coup maintenant j'ai ça et je peux créer des boulangeries. Ah, mais pour la boulangerie, faut du moulin et du. Ouais, d'accord. Ok, on n'y est pas à la boulangerie là. En fait, là j'ai presque plus de. Ah non, j'ai pas du tout presque plus de place. Genre, alors, on va se lancer les cordes. Ok, alors tu vas me créer. Et parce qu'il y a les gros là qui veulent leur boubouf. Il y a des joueurs qui veulent leur boubouf. Ah, j'ai pas de verre. Et si je leur donne pas après, ils se plaignent. Ah, mon charpentier répare les maisons. Parfait. Du coup, je sais pas où je vais placer mon église là, je crois. En fait, il m'en faudrait une par là. Et une peut-être là, du coup. Compléter. Ou alors j'en mets une là. Mettons des maisons de paysans. La tempête de sable s'est dissipée. Ouais, ah, je pourrais en mettre une là sinon. Pourquoi j'ai dit fertilité manquante? Bah, tu essayes de faire quoi? Des champs de blé? Oui. Bah, il faut que t'aies le truc de blé. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit.
Le truc de blé. Vous voyez que la foi peut déplacer. Oh zut. Ouais, en plus, mais en plus, ta meuf, elle a le meilleur champ de tout. Ouais, elle a de la chance. Moi non plus, j'ai pas de blé. Hein. En plus, toi, t'es mieux placé pour avoir du blé. Je trouve du blé ouf. T'as une île à peu près au niveau de la tienne. Salam alaikum. Qui a du blé et de l'herbe. Ah ouais, je vois. Et devine quoi, il faut aussi faire de la pierre qui demande du blé et de l'herbe. Des herbes aromatiques. Non mais j'ai un bateau là, mais ce bateau là il va pas pouvoir tout prendre. J'ai des bateaux qui sont assez bons quand même. Ah, il m'a passé pierres. Deux bateaux pour 400, ils sont assez bons voyons. Là il te permet de faire plein de petits trajets, c'est pas mal. Non. Non, c'est voyant. Bon. Si tu le dis. Bon, je vais essayer de faire augmenter enfin mais putain. Permet la construction de petits navires de commerce et de guerre. Alors. Est-ce qu'il y a des citoyens qui veulent augmenter, mais je peux pas les faire opter. La taverne, ça m'avait coûté 2000, non? C'est une bonne fortune, non? Ouais, ça coûte cher la taverne. C'est 2000 la taverne. La base d'opération, c'est pour faire chier les gens. Ouais. Je crois. Il y a beaucoup de choses pour énerver les gens quand même. Pourquoi mes bateaux ils attendent? Ah parce qu'il y a déjà un bateau. Ah j'ai trois bateaux qui vont donc. C'est Tornade qui va au bon je crois. Maison progressée d'un niveau. Fabuleux. Yes. Une honorable. Je suis enfin en train de gagner des patriciens, mais qui se plaignent de tout les patriciens. Ça peut. Ah. Wow. Il y a que deux trucs que j'ai envers. C'est qu'ils veulent avoir des nouvelles églises, ils veulent avoir des meilleures tenues, ils veulent avoir. Tout ce qu'ils ont, c'est de la compagnie, parce que j'ai fait le route jusqu'à chez eux. Mon équipage d'abordage est déjà en train d'affûter ses coups. Non, on n'y est pas, quoi. T'as des... enfin, genre, ah oui, t'as des patriciens, pas des nobles. Oh, à chaque fois, j'ai peur et je me dis, oh là là, mon dieu, il a tellement d'avance. Non, c'est juste les patriciens. Moi, j'en ai qu'un de patriciens, tu me diras. Moi, j'en ai plein. J'ai presque une dizaine, je dirais. Je pense que je vais construire une autre caserne de pompiers, sinon ça va être la dèche. Ah, mais j'ai plus assez de pierre. Alors, faut que je la pose là. On a encore le stock de. Ouais, faut clairement que je la pose là en gros. De date. Alors, déjà, les dates, on va arrêter de les vendre. Moi, c'est une maison de patricien, j'ai pas de choix. Il va falloir une caserne de pompiers juste. Accepter ces plans de construction comme cadeau de la part de notre peuple. Quand même pas très fort dans ce jeu. C'est normal que tu débutes. Tout le monde y trouve son compte. Débute plus tant que ça, moi. Tu dis? Mais non, mais t'as pas encore beaucoup joué. C'est ça. J'ai dû enlever deux maisons. Je savais que j'allais avoir votre visite. Tu peux pas lancer que une quête, toi? Je peux pas encore faire. Quoi? Tu peux pas lancer une quête, toi? Ah, j'ai envie d'aller traquer le bateau pirate. Je sais pas si j'ai besoin des pistes. J'ai carrément besoin des pistes, donc là on va reprendre la route. Voilà, hop, on monte le stockage. Je suis un peu en galère. Bon, alors c'est pas grave, on prend la route des épices, toi. Et de ce côté-là, on va se débrouiller. Alors. Qu'est-ce qu'il faut? Juste du bois et des cordages. Trop bien. Il leur manque quoi, mes gars?
Il leur manque besoin de hors de tapis. Je suis désolé, les tapis, j'en ai pas beaucoup à vendre. Tapis et de foie. Mais du coup, pour la foie, il me faut plus de gars. Allez, pivote, comme ça. Ah, c'est ça. Je suis en train de créer des nouvelles maisons. C'est limite, j'ai trop d'outils. Pauvre de moi. Ah, ça coûte cher les petits entrepôts, je savais pas. Les petits entrepôts. Ouais. Ouais, il faudrait une ferme d'indigo. Tu pourrais me passer de là-dessus. Bah, je peux, hein. Je suis en manque de beaucoup de choses en fait. Qu'est-ce qu'il me faut? Ouais, des outils. Et on part. Couvert, autant en profiter. Ah, par rapport à toi, je suis pas mauvais, mais d'accord. Par rapport aux IA, bah j'ai plus de cas que toi, j'ai plus de bons gars que toi des fois. Mais les IA, l'IA, parce que l'autre elle est morte toute seule. Il ouais, y en comme a une, quoi, mais elle est pas mauvaise, IA. Sur la moyenne, t'es bon. J'ai plein de maisons maintenant. En fait, il manque de la pierre parce qu'ils me prennent tout pour je sais plus quoi. Pour évoluer, bah, s'il te plaît. Ah ouais. Ah, ça coûte cher la moitié. Oh yes, je peux les faire payer beaucoup plus cher les autres. On va peut-être la mettre là. Ils peuvent tous payer bien, plus cher, c'est cool ça. Et juste eux que j'ai déjà évolué parce que de toute façon, pas de pierre. J'ai qu'un cabanon de pierre. Ah, il manque juste de l'or. Pour faire la mosquée. On va déjà faire la route. On va passer là. Ah, il en faut un autre. Combien sont-ils? 1200 sur 1400. Ils sont énormément, mes nomades. Ils doivent représenter la moitié de ma population. Un peu plus de la moitié. Ma femme trouve que vous gérez vraiment bien vos affaires. Vraiment, j'ai des routes à pierre par contre ici. Constructeurs de bateaux des chantiers navals font des merveilles. Voyez par vous-même. Laissez-moi vous aider. Ah, mais lui, il est pas très utile. Ok, ouais, c'est bon. Toi, tu vas te poser tout de suite. Un joueur s'est établi sur de nouvelles terres. Hein ? Quelle audace ! Quoi ? Le type vient s'établir sur de nouvelles terres. Bah oui, hein. Oh, elle a une ville qui a pas mal brûlé. Maison toute noire. C'est des maisons de patriciens en plus. Oh, oh. Dommage qu'elles aient pas brûlé jusqu'au bout. Je vous suis entièrement dévoué. C'est où? Tant que vous me payez. Votre espion papote. Mais t'as une quantité de citoyens, toi. J'ai pas d'espion, moi. T'as beaucoup beaucoup de gars, mais t'as une bonne... Il faut t'as que tu montes des trucs, hein. Oh non, j'ai bugué. Ah bon? Ouais. Bugué graphique? Ouais, sauvegarde à partie. Ok, alors, sauvegarde... Ouais, du coup, j'ai le... La souris, elle charge. Ouais, on va s'arrêter pour cette vidéo. En théorie, il restait 5 minutes. Je suis désolé, l'épisode sera un peu plus court. Et... Dans le prochain épisode, on sera avec Horreur, comme ça vous passe le temps de relance du jeu.
Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Prochaine étape, attaquer Horreur. Non, je blague. Prochaine étape, sera quoi la prochaine étape? Pour moi, ce sera peut-être... bah, ce sera la mosquée, clairement. Et après, on avisera. Voilà.